Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bubois. Cette semaine, je me fais une table de perçage. Vous avez dû remarquer quand j'ai fabriqué le chariot de coupe, je vous mettrai le lien là-haut. Quand j'ai percé le polycarbonate, bah, le réglage était assez difficile. Donc on va se fabriquer une belle table de perçage. Allez, c'est parti! Alors, pour cette table de perçage, bah, tout simplement ici, je vais changer le système. Je me suis fabriqué rapidement en récupérant, je ne vous ai pas filmé ça, mais j'ai récupéré une plaque d'acier, un petit cylindre tourné, et comme ça, je vais arriver déjà dans un premier temps. Je retire mon ancien système pour ici insérer le nouveau système. Allez, on va chercher une tablette et on va fabriquer ça ensemble.
Bien, bon, ça y est, c'est assemblé. Donc ça y est, j'ai mis mes quatre vis ici. Je peux retirer ça rapidement en enlevant l'ensemble. Pour le réglage, tout simplement, je desserre à l'arrière et je viens régler ma butée. Ici, simplement, je viens régler ma distance. Si on a besoin de venir avec une pièce à un endroit, tout le temps le même endroit, tout le temps le même coin. Non. Je peux mettre simplement une butée ici avec un petit serre-joint comme ceci, une petite pince. Voilà. J'arrive, je viens plaquer ma pièce contre. Je viens régler. Hop. Je viens régler comme ceci. Et voilà, j'ai toujours ma pièce contre. De ce côté-là, parce que l'autre côté il y a la poignée, je voulais vous faire voir la caméra, mais de ce côté-ci. Donc là, j'arrive, je viens contre, et hop, je peux effectuer tous mes perçages. Vous voyez, bien sûr, en dessous, il y aura toujours une petite plaque martyre pour venir percer, ce qui fait que mon mandrin descend vraiment bas, avec la taille des petits forêts. Voilà, un beau petit projet. Très rapide. Voilà, mon projet est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, de le faire pour me suivre dans d'autres aventures. D'activer la petite cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!